Bienvenue. Aujourd'hui, on va se starter une petite aventure hardcore Minecraft, comme je pourrais dire, sans problème. Donc, disons, on va se starter l'aventure hardcore. Il y a des gens qui vont nous rejoindre. What the fucking fuck is that fucking shit? Puis c'est parti. J'ai pas encore rejoint le monde. Je connais le seed parce que c'est moi qui l'ai choisi, mais je connais pas l'emplacement des structures, du diamant ou de peu importe, j'ai juste choisi le seed parce qu'il était beau. Fait que je dirais que c'est parti. On tombe longtemps, longtemps, longtemps et on arrive. Good. Fait que c'est ici qu'on arrive. Oh. Man, tu me pousses pas, voyons. Garder des traces de c'est où qu'on spawn à côté de la fontaine. Good. Oh là là, puis on spawn la nuit. Fucking shit. Ok. Je sens que le premier jour sera pas long parce qu'on va aller se coucher. Oh là là, que ça commence mal. Good. Parfait. On va aller récolter du bois. Pas sur cet arbre-là. Parce que c'est un arbre sacré. Dans le fond, j'ai utilisé ce serveur-là pour une autre partie hardcore juste avant. Puis j'avais désactivé la régénération naturelle. Je sais pas si c'est réactivé ou pas. Puis je sais pas si j'ai le goût qu'elle soit réactivée ou pas encore. Donc ça va rester comme ça pour le moment. C'est des abeilles, on veut pas détruire cet arbre-là. C'est quoi de bord? On va aller dans l'autre village. Et c'est ça. Tiens. Aha! Ça a de l'allure. C'est un super de beau seed avec un shader. Là, j'ai pas mis mes shaders. Mais c'est un super de beau seed avec. Hop. Commence bien. Commencer une forêt parce qu'il n'y a pas d'arbre. Ce sera pas un problème. On va le faire quand même assez rapidement. Espérons qu'ils en donnent. Bon. On en a 3 en tout. Good. Tiens, on va aller replanter ça. Ici. Puis ici. Parfait. Parfait, parfait. Puis on va aller se prendre une maison à nous. Oh shit, j'ai buzzé. Comme ça. Tiens, on se prend celle-là tout en haut. Ça va être la petite maison. L'écurie. Good. Ça. Hop. Comme ça. On a déjà des sticks.
Ok. Commencer à miner un peu tout de suite pour récupérer les choses importantes. Du charbon. Puis un peu de cobble pour se faire une autre pioche. Ça, là j'ai besoin de stick. Pour de vrai. On va user celle-là en bois complet. Parce qu'on n'est pas des sauvages, puis on n'aime pas la gaspille. Puis après on va pouvoir switcher sur l'autre. De toute façon, on ne devrait pas durer très très longtemps celle-là. Juste pour m'assurer, slash set world. Non, la difficulté c'est quoi? Slash game rule difficulty. Non, je sais pas, juste m'assurer qu'il est en hard, mais non, je suis pas mal sûr qu'il est en hard. Je suis certain. Je l'ai vu dans les configs du serveur. Tout pour ma fight. Une épée, finalement, on aime la gaspille. Me tente pas de me faire chier avec ça. Ça. Descendre, on va aller bûcher tout de suite. Ça, c'est l'arbre sacré du village ici. Il faut pas y toucher. Très important. Fait tomber avant que quelqu'un se casse la gueule avec ça. Deux pouces d'arbre. Pour le moment, il semble correct dans les pouces, on n'a pas un arbre qui était perdant. Ça, c'est yes. J'ai besoin de mes pommes dorées. En attendant de pouvoir me faire des potions. Ok, il y a clairement une caverne en dessous. Puis ici. Tiens. Se faire une table de craft pour en bas, ici. Ça. Là, d'avoir pas mal de mobs en plus. Tiens. J'ai repéré du fer, on va aller chercher. Peut se faire une pioche en fer déjà. Ce qui est une bonne chose. On va essayer de trouver encore plus de fer apparent pour se faire une armure. Puis enfin pouvoir aller se fight. Yes, des pouces, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut.
Si j'ai pas de coffre, j'avais totalement oublié d'aller vérifier dans les coffres des maisons. Ça n'en va pas par là. Petit coffre, pas de petit coffre. C'est good de bord. Comme ça. Ça a l'air d'une belle entrée. Hop là, je l'avais vu un peu sur, sur le seed au début. Puis, on a un bel arbre qui a poussé. Yeah! Bonjour, 36 Lado. Ça va? Excuse, hein, je regarde pas le chat beaucoup. J'ai pas l'habitude. J'espère pouvoir l'apprendre. Je sais même pas si où pour voir mon nombre de viewers en ce moment. Putain, 3 pouces. Good. La nuit va tomber. Là, j'en ai déjà passé une. Je sais pas si je vais passer celle-là aussi. On est en 1.18 avec les la Caves Update. Ça va être quand même pas pire sur les. Les grottes qu'on va pogner. Ça. Ici, il y a de la torche. Comme ça. Bam. Ça. Je suppose que je pourrais m'enligner dans cette grotte-là. Good. Je sais pas si c'est la place que j'ai bloquée. Je reprendrai pas. Oh. Good. Premier zombie tué. Ha. On va te faire. Pas dessus. Oh, ça monte. Est-ce que ça descend? Ça descend pas plus, beaucoup. Je vais prendre le charbon de suite. Si j'en ai besoin, je vais l'avoir. Comme ça. Sort ailleurs. Ok, ok. C'est cool. Ici on monte avec une grotte un peu bizarre. Faite sur le side. Oh, du fer. On ressort de l'autre côté. Ok. Un peu
passage pour traverser la montagne. Oh, ça c'est nice. C'est une très bonne idée. Côté de la montagne. On va mettre des torches comme ça, si jamais on est de l'autre côté de la montagne, on peut voir qu'il y a un chemin pour rentrer. Tiens. Bon, j'aurai pas tout seul non plus dans la partie hardcore. On va avoir des gens qui vont nous aider, des amis à moi, puis ça va être bien le fun. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'était mon téléphone. Ok, tiens. 19 de fer en commençant. Bon, plus que 19, je l'ai raté. Ça a de l'allure. Je sais qu'il y a quoi. Ouais, c'est le chemin que j'ai pris. Bon, tu vois, quelqu'un en marchant dessus ici serait tombé de toute façon. Ça serait manger des dégâts de chute ou des dégâts de suffocation. Donc j'ai bien fait quand même. Si on est capable d'avoir un full fer avec une pioche, on est capable. Ça me rend heureux. J'ai pas encore été par là par contre. Ça, faut pas que je tombe là-dessus, je vais me faire mal. Hop. J'ai pas autant de roches que ce que je pensais que j'allais avoir, mais c'est pas grave. Ouais, c'est une belle map, sérieux, entourée par la montagne là, qui nous protège. C'est vraiment nice. Fallait vérifier les commandes pour être certain. Si je la refais, est-ce qu'il me dit est-ce que ça l'est déjà? Oh non, ok, il me dit c'était quoi? Not change it is already set to hard. Ben safe! Ben safe! Si jamais vous voulez le seed, c'est celui-là. J'essaie de vous le donner, là, je suis généreux. Patates, faut pouvoir en planter plus, c'est nice. Tiens, planter plus, ça, on va s'en planter ici justement. On n'a pas besoin de sortir dehors à chaque fois. Ici, il m'en manque 6 ou 5. Good. Je suis content. Je vais avoir mon full fer. Ça va être parfait. Me faire ma pioche tout de suite.
Isn't it Iron Pick? Oh. Genre, je l'ai entendu. Ça aurait pu faire mal. Le jour se lève de toute façon. Ça va bien faire. Et hop. Tiens. Ouais, faut le faire. Faut le faire avec une pioche. Ça, je suis content. J'aimerais ça te faire chercher quoi faire avec. Ça. Good. Good. Là, je suis équipé. Tu peux te dépêcher de mourir, s'il te plaît? C'est bien long. J'avais vu un peu plus de fer par là. Faut que je fasse attention pour pas me casser la gueule non plus. Puisque je veux pas tester si la vie se régénère ou pas. J'ai pas le goût. Dès que je teste, je sais et c'est à quoi. Puis il va falloir que je prenne une décision si je la garde ou pas. Là, si je sais pas si elle est ou pas, ça dérange pas. Good. 36 Nono, es-tu toujours présent? Tu ne le sembles pas. C'est pas grave, merci d'avoir passé, man. Fun de savoir que mon live a de la visibilité. C'est de faire une source d'eau en arrière là. On fait de la place à l'intérieur. Puis on va avoir notre source d'eau à nous. Good. Comme ça. Ça vaut vraiment plus la peine tout de suite. En tout cas, non, je vais regarder mon fer, je prends avoir de besoin pour autre chose. C'est good. Les arbres ont toujours pas poussé. Ça ici, par ici après, on va mettre des torches pour savoir c'est où le chemin à prendre.
chargera pas à toutes les fois. Une torche ici. Puis on est rendu. Pouf. Là. Good. On va ramasser ça. Ça traîne. C'est nice. J'allais dire, on n'aura pas besoin d'aller dans le Nether pour aller en chercher une, mais il nous faut quand même la blaze powder. Bon. Ça. Ok. Est-ce qu'on descend là-dedans? Tu vas aller me faire plus de bouffe avec ce que je viens de trouver. Ok. Tiens. Bon, on a notre réponse. Merde. Merde. Merde, je voulais pas prendre la réponse tout de suite. Natural Regeneration False. J'ai pris ma décision. Je peux toujours le réactiver si jamais je veux. C'est plus le contraire de commencer sans, puis de le désactiver par la suite. Là, j'ai perdu un demi-cœur. Je m'arrangerai pour le reperdre au pire. J'ai manqué miner autour de moi. Jamais miner au-dessus ni en dessous. C'est la règle de base de Minecraft. Et j'ai pas assez proche de ne pas la respecter. Bon, tiens. Quoi? Pourquoi j'ai perdu un demi-cœur? Tantôt, ça vaut aucun rapport. C'était un 3 blocs, je l'ai compté. Bon, ben, c'est beau de bord, je méritais pas de perdre mon cœur. J'ai fait un saut. Les blocs à côté. Ça. Ok, ça lag énormément. Ouf, ok, j'ai eu le bon réflexe de bloquer. Ça a énormément lagué, j'ai pas compris pourquoi. Je vérifie au coup. Je sais que ça sert à rien vraiment. Je vais le ramasser, c'est bête. Pour des constructions peut-être, ou si jamais on a besoin, on va en avoir. Oups. Hop. Plus rapide de même. Ça fait la lumière, j'ai jamais compris pourquoi. Cul-de-sac qu'on va ramasser les choses en revenant. Oh oh, on a quelque chose ici, c'est good. D'abord je vais reprendre mon bouclier.
J'irai explorer par là une autre fois au pire. Ouf, faut pas que je regarde l'Enderman. Good. On se reprend à une masse tonne de charbon. Ok, il y a un squelette pas loin. C'est bon à savoir. Je me suis déjà blessé sur une de ces choses-là à un moment donné. C'est pas le fun. Pour ça, je les enlève toutes. Je ferai pas des lives à chaque fois que je joue, parce que des fois, je vais juste jouer un petit. 15-20 minutes tout de même là, mais j'essaie d'en faire le plus possible là, pour tenir au courant des updates de la map puis de comment c'est en ce moment. C'est sûr et certain, mais comme je dis, les fois où je joue un petit peu, pas tant que ça là. Mais là prochainement je vais jouer pas mal sûrement là. Puis vous allez peut-être loadé en live. Puis bien sûr sur YouTube, ça va être des rediffusions de live. J'hésitais à faire les lives directement sur YouTube, mais plus facile de toucher du monde sur Twitch puis de faire rejoindre un live. Là, les lives sur YouTube, ça prend pas tant que ça. Pour avoir déjà essayé, là. Quand tu fais des lives sur YouTube, il faut déjà que tu aies une communauté là, pour ça. Normalement, c'est mieux sur Twitch. J'expliquais mon choix. Good. Regardez, je suis un peu en dessous. Ok. Ok. Rien par là, faut le bloquer tout simplement. Puis par ici, c'est ce qu'on va voir. Une sortie à la surface. Puis il fait nuit. J'ai pas encore trouvé de fer dans cette grotte là. C'est quand même plate. Parfait. Ça peut faire un beau petit endroit ça pour faire des choses là. Ça topait de quoi, je sais pas. Faudrait vérifier là. L'entrée d'une mine ou n'importe quoi. Mais il y a de quoi à faire ici. Ça c'est sûr et certain. C'est vrai, je voulais mettre de quoi? Slash scoreboard.
Objective add health. Health, ici ça va être slash scoreboard objective set, oops, set display is already, ah ok, health, au moins la vie va s'afficher, mais là il va falloir que ça s'update, comme ça quand les autres vont venir on va pouvoir être au courant de la vie des autres. Oh shit shit shit, je sais que je suis en hard puis qu'ils peuvent briser les portes. Ouf, j'ai le temps de dormir avant qu'ils soient trop proches. Yeah. Hey, salut Pachas, comment ça va? Moi ça va super bien. Toi? Merci pour le follow, man. J'apprécie beaucoup beaucoup. The fucking fuck, ça lag. Nickel, c'est ce qu'il faut, man, c'est ce qu'il faut. Ah merde, ça c'était 2 coeurs de perdu pour rien à cause d'un gros coup de lag sale. Bon, la bonne nouvelle, c'est que mes cœurs se sont update. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Tu as un conseil pour moi, pour que je puisse récupérer mes 2 cœurs sans que ça me coûte un bras en Golden Apple? De vie inutile, ça me fait chier. Perte de vie à cause d'un lag de merde. Je sais pas si ça a apparu sur le live. Bon, je vais faire de quoi. Plus de chance que je vois tout comme ça. Ça sera pas long. Good, je suis de retour. Bon, je sais pas trop quoi faire là. Mes arbres ont toujours pas poussé. Ouais, ils ont poussé un peu. C'est cool, on va aller bûcher les arbres de bord. Ah, c'est un lapin, je me demandais c'est quoi qui faisait ce bruit là. Hop. C'est beau, merci, merci. Ouais, c'est vraiment un beau seed. Sincèrement là. Si jamais tu veux le seed, tu l'affiches ici, mais dans le fond, ouais. Dans le spawn, c'est on est comme dans un cratère, si on veut, puis on est encerclé par des montagnes. Et ici, il y a comme, j'avais regardé un peu, là, puis je pensais faire mon entrée vers le monde externe par là. C'est comme un gros anneau, on dirait vraiment une entrée, sérieux. Puis il y a 2 villages, il y en a un là-bas, puis un ici. Sont vraiment pas énormes les villages, mais c'est quand même 2 villages. Puis c'est vraiment un beau site, sincèrement. Ben moi personnellement je trouve là. J'ai pas encore beaucoup exploré plus loin. Je commence là, j'ai commencé tantôt là. Puis je compte bien le faire toffer longtemps ce site là. Je compte bien rester le plus longtemps possible sur la map là, dans mon monde hardcore. J'ai toujours voulu me lancer un souris hardcore, mais c'est vraiment tough. C'est pas
pas la chose la plus facile à faire. Mais je l'ai jamais fait, surtout si je perds des cœurs inutilement. Là, je comprends pas. Ça, j'aurais pas dû perdre mes cœurs pour ça, là. Mais bon, c'est pas grave, là. Mais c'est ça. Prochaine fois que je vois que ça lag un peu, je m'essayerai même pas, là. Je vais juste reculer ou faire autre chose. Faut que j'essaie de me faire une forêt, là. S'il y a bien un défaut ceci là, c'est que ça vient avec pas de forêt à l'intérieur. Moi j'ai quelques arbres, je suis pas obligé de sortir pour aller en faire une là. Je suis pas encore sorti d'ici. Je suis quand même content, j'ai trouvé mon full fer assez rapidement. Là. Normalement, ça me prend bien plus longtemps que ça. Mais non, ça start bien à date. Ça start bien. J'ai eu peur de tomber dans un trou, mais. Good, s'occupe de nous mettre tes carottes ici. Puis merde. Ah oui, il était prêt. Good. On s'est occupé pour toi, man. Je vais aller chercher les pommes. Ils vont m'être utiles. Faut que je commence par trouver de l'or. Quand je vais en avoir, je vais pouvoir récupérer mes deux cœurs. Ou ben je vais attendre puis je vais garder toutes mes pommes pour être capable d'en stacker le plus possible. Pour quand je vais aller dans le Nether. Je sais que c'est dangereux. Mais genre vraiment. Je suis pourri dans le Nether. Je meurs tout le temps. Je perds beaucoup de vie si je meurs pas. Puis là, je pourrais pas me le permettre. J'étais sûr d'avoir entendu un skill. Ok, on va se commencer une paupière de forêt là. Good. J'ai pas suivi les torches. Un iron golem, il protège l'arbre de la sérénité. Fais un élevage de vaches ou de cochons de moutons. Ouais, va falloir. Ah, je n'ai pas encore vu à l'intérieur. J'ai vu des moutons au début. Ouais, j'ai vu des moutons. Mais pas de vaches. Ni de cochons. Mais il va falloir que je m'en fasse, ça c'est sûr et certain. Parce que sinon, j'aurai pas d'animaux. Je pourrais même pas me faire de livres si j'ai pas de vaches. C'est une très bonne idée que t'as là. Je vais aller voir s'il n'y en a pas où le premier village, justement. Je pourrais ramener, je vais me prendre un peu de blé, je vais essayer de les ramener. Ici, je vais me faire mon coffre de l'apocalypse. Je fais ça dans toutes les games. Je garde une pousse de chaque chose que je peux faire pousser en cas de problème. Oh, blé, non, il est pas prêt, je pense. Non, il est prêt. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a pas remonté. Non, il est pas prêt. Oui, il était prêt. Et là là. J'ai été très indécis là-dessus. Ah, ça le pain. Encore. Hop là. Des trous. Faire attention. Ici, le village est beaucoup moins beau que l'autre où je suis. C'est pour ça que je passe plus mon temps là-bas. Ici, il est pas top. Ben, je trouve, là. Il y a des gens qui pourraient voir beaucoup de choses dans ce village-là. Mais moi, je vois pas grand-chose, personnellement. Tiens, on va ramener les moutons. Lag encore. Download un jeu en même temps de streamer, c'est pas la meilleure des idées.
Descendre par là. Good. Amène-toi. Bon, lui est déjà tombé. C'est un peu plus difficile quand on n'a pas une laisse. Hein. Faut pas perdre de vie non plus. Faut pas tomber quelque part. Je leur prépare un enclos. On va avancer comme ça. Je suis sûr de ne pas y perdre. Ok, très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Tomber dans un trou, c'est pas ce qu'on recherche, mais pas du tout. Oh, tant pis, on viendra rechercher l'autre après. Faire de trou. Non 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 non. Oh, non 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 non. Oh my god. Oh, la nuit tombe, je t'en supplie. Oh que non. Oh my god, que je les haïs les animaux dans Minecraft. Ça, pas de bon sens, sérieux, comment est-ce que je les truciderais toutes. Fucking NPC de ma graine. Utiliser ma deuxième main. Oh que non. Putain. Va falloir ramener l'autre. L'autre. Ok, je vais essayer de le mettre dans le même cage que l'autre là, mais. Je pense pas que c'est gagné d'avance. Viens dedans. Ok. Non. Bon, ok. Oui, ben c'est beau, venez par là de bord. Oh là là, il trouve toujours le moyen de nous tuiquer. Ok, toi dedans. Jamais autant de misère à mettre des animaux en cage dans Minecraft. Bon, c'est le temps. Tiens, là, on va aller faire des beaux dodos. Ça lag trop pour ce fight. Good. Oh shit. Rien n'attaque pas les villageois. Non, ok. J'ai eu peur pendant un instant. Je devrais pas du tout avec les lags. Je veux pas le faire. Je veux pas me résilier à le faire péter sous mon terrain. Good. Ça, c'est fait. Je viens d'avoir une idée pour quelque chose. Tiens. Good. Ok. On a nos moutons. Ça. On va lui mettre une patate dans le coffre de l'apocalypse. Je l'avais pas encore fait.
Je dirais qu'il s'est occupé d'un zombie, lui. Les prochaines fois, ça devrait moins l'habiller. Je downloaderai pas Call of Duty Black Ops Cold War en entier de 212 gigles. Parce qu'on voit que c'est pas le serveur qui lag, là, parce que le serveur, tu sais, j'ai pas mes blocs qui reviennent après les avoir placés ou détruits. Là. Ok. On peut faire chauffer ces patates-là. Le coffre de l'apocalypse. Ouais, exactement. Ouais. Comme ça, si je perds une pousse de quelque chose ou j'ai plus de carottes parce que sans faire exprès, je les mange toutes ou autre, ben il n'y aura pas de problème. Là. Comme ça, je vais en avoir d'autres de rechange là, si jamais je me ramasse que j'en ai plus. Ce qui est quand même vraiment utile, sérieux. J'avais de la misère à récolter des bâtons, n'importe quoi. Cette forêt commence à avoir de l'allure. Ça commence à donner de quoi. Ça va être encore mieux quand tout ça va être poussé. On va avoir encore plus grosse forêt. Ça va être nice. Ça va être nice. Ça devrait plus laguer là. J'ai décidé de d'arrêter de downloader mon Call of Duty Cold War. Ça avait pas de sens là, je pouvais même pas ramasser mes bâtons.
des zombies. Là, ça serait le temps que j'aille miner un peu plus profond pour trouver de l'or, par contre. Ça pourrait être une bonne idée. S'échapper lui. C'est comme ça, comme ça. Là c'est le serveur. Okay. J'ai bouché le trou. C'est beau de bord. Pam. C'est. Ok. On avait exploré par là. Oh! Quoi? Quoi? Nice! Oh shit! Brûle, petit démon, brûle! Je me fête pas contre un bébé zombie, c'est clair que je perds. Ok, je vais aller mettre de la torche là-dedans. Au plus vite, bam! Oh yes, Melondo! Frostwalker. Oh, oh, avec une selle. Oh, que ça fait mon affaire, ça. Ok. Il y a plus à tout ça. Puis j'irai pas. Ok, ok, ok. Oh, les Melondo, on va pouvoir se faire des potions de soins. Croiser mes moutons, je puisse me faire un lit pour ma maison sans enlever le lit des autres maisons. Oh, salut Ray Toby, salut Enzo, yo ça va, je suis bleu, je suis cette l'air. Ok, ça va les gars?
encore le lapin. Il veut monter en haut. Oh shit. Oh là là, je vais plus descendre. Squelette, j'ai fait. Oh non. Lui, j'aimerais garder par contre. Si je pouvais lui donner un name tag. Bye bye. Oh, qui est fait. Two shot, man. J'avais pas. Ils m'ont pas donné de name tag. Hein. J'ai pas remarqué. Non. C'est bon. Toile d'araignée, ouais, je vais me faire une canne à pêche, mais c'est ça, mais est-ce que je veux vraiment? Bon, je suppose que oui, je vais m'essayer un peu là. Si je vois que ça marche pas, ça marche pas. Je vais en profiter, c'est pas ça que je voulais faire pendant tout ça. 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 Je peux-tu pêcher là-dedans? Sûrement. Un name tag. Premier coup, let's go. C'est pour être long comme ça. Oubliez le name tag, il disparaîtra. Ok. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a marché là-dedans parce que c'est mon trou d'eau. C'est pas mes bottes. Le trou d'eau était pas là quand je suis arrivé. Ah, peut-être t'as vu la joie, c'est beau de voir. C'est pas nécessairement quelqu'un. J'avais pas vu, merci Anso pour le follow. Vraiment apprécié. Ouais, ok. Je pense pas trouver de name tag. Malheureusement. Ça va, ouais, toi, Wawa? Ah merde. Oh, tant pis. Non, il est là. Non, man, enfuis-toi pas. Shit.
l'ai poussé à se suicider. C'était pas mon but, je voulais le capturer. Il a préféré mourir que de se faire capturer. Non. C'était Manu le lapin. Oh, y'en a un autre! Peut-être mieux de le laisser tranquille, lui. Désolé pour toi. Ouais, c'est une grande perte, Manu le lapin. Une grande perte. C'est pas grave. Merci pour le follow, man. Ça fait plaisir. Good. Tu sais MLG? Ouais, je sais comment MLG. Mais la question c'est est-ce que je veux le risquer? Oh. J'ai pas de flèche. Je vois MLG d'ici. Boum. Chercher lui là. Good. On va laisser le golem s'en charger. Ah! Pourquoi le golem s'en charge pas? Ouais, je joue à Rocket League. Vraiment pas beaucoup, je suis très très mauvais, mais ouais, je joue. Un peu de temps en temps, là. Quand j'ai une bulle qui me passe. Ok, il s'en charge vraiment pas. Merde. J'ai peut-être à peu près 15-20 heures de jeu sur Rocket League. Il reste plein d'autres pousses à pousser ici, là, mais notre forêt commence à avoir de l'allure. Mille 555 heures que t'as sur Rocket League, what's ça? Wawa, what the fuck? C'est insane. C'est quoi ton rang? Je connais pas beaucoup les rangs de Rocket League, là. Mais je connais la base. Pas ici. Tiens, j'ai mis mes torches. Même avec mes torches, je peux ça me perdre. Peut-être un autre bouton là-bas.
Minecraft 1856 heures. T'es platine sur Rocket League quand même, je suis tellement mauvais. Je suis même pas capable de faire les coups d'un zère. Tu sais, de sauter puis donner sauter, donner un peu de boost puis donner un coup, je suis pas capable. Mais quand même, hein, Minecraft 1856 heures. Comment tu fais pour ça, de savoir ça? C'est sur ton compte quelque part ou... J'aimerais ça savoir ça, moi. Je dois en avoir en Simonac aussi des heures sur Minecraft. Ça doit être quelque chose. Vraiment lent dans le fond. C'est une sale douille. Je suis sur Switch. Ah, ok. Avec la version Bedrock. Je l'ai aussi la version Bedrock, mais je joue plus à la version Java. Plus facile à modder, plus facile à mettre mes shaders avec Optifine et tout. Mais j'ai déjà joué à Bedrock. Quand je veux jouer avec les gens qui sont sur console, j'utilise. Mais quand même, 1856, c'est beaucoup. C'est nice. J'essaie de ramasser des pousses des arbres que je viens de faire. C'est pas beaucoup, ben quand même, 1856 heures. Faut calculer ça en jours surtout là, pour voir que ça fait beaucoup. Si dans une journée il y a 24 heures, tu fais 1856, tu le divises par 24, ça fait 77,33 jours. Si tu le divises par une 30 à peu près, ça donne 2,5 mois. Là. T'as passé 2 mois et demi non-stop en Minecraft, si tu vois ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois les heures de gaming, en tout cas. Non, c'est vrai qu'il fallait pour que mon coffre de l'apocalypse. Assassiner le marchand, mais il y a une plus l'air là, c'est la mosse en liberté. Il a dû se faire buter par un mob, une fois ça laisse. Je comptais le buter justement pour avoir sa laisse. J'ai quel âge? J'ai 19 ans. Charge sa laisse, la dernière fois que je l'ai vu, il était par ici. C'est la mosse, on va. Ouais. Oh, non, il est là. Comment ça, il est libéré, c'est la mosse. Hein? Je vais essayer de l'amener chez moi. Si je peux essayer de le garder dehors, je tirerai pas non. Moi 13, moi j'ai speedrun. Moi tu t'amuses à speedrun Minecraft? J'ai déjà essayé, j'ai déjà fait pendant un bout speedrun Minecraft. C'était quand même le fun là, mais beaucoup de difficultés là. Je suis vraiment pas bon à speedrun les jeux. C'est quelque chose.
Je préfère prendre mon temps, me poser, puis faire les grosses choses là, plutôt que de speedrun le jeu ultra rapidement. Si tu montes dans l'étage, moi ça fait mon affaire. Encore de 1. Vas-y, t'es capable. Je compte sur toi. Let's go! Let's go! Moi, mon monde hardcore, je le speedrunnerai pas là, parce que de 1, c'est une mauvaise idée. Je suis sûr que je vais mourir si je fais ça. De 2, j'ai pas de presse, on va dire. Tiens. C'est comme ça qu'on enferme un marchand chez soi. Tac. Il va vraiment falloir que je me trouve un nul tag d'abord si je veux le garder. Ici. Faire de quoi. C'est ta porte. Pourquoi? Ça va me permettre de laisser passer les PNJ quand je veux, dans le fond. Qu'est-ce que j'ai fait? Reloader. Ok, c'est ça que je veux. Enlever. Ok, un de ceux-là. Ça. Attends, on va chercher un peu plus de roche. Ouais, 1.18 avec la cave update. J'avais pas encore joué en 1.18 là. J'ai pas encore trouvé de méga cave là, mais j'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler. Grand, ouais, sûrement. J'en doute pas. J'ai vu des images, là, ça a l'air que c'est insane.
On va farmer le name tag pour le garder. Il s'appelle Paul. Ah merde, même si j'ai un name tag, j'ai pas plus d'enclume. Oh le con. Je l'ai raté. Fin d'enfant, il y a plus de mobs dangereux. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux mobs, là, les Wanderers, je pense, ou je sais pas quoi, là. Je l'ai jamais encore croisé, là. Mais ils ont l'air assez brutal. C'est quoi ça? Un crochet. On va revenir un point. Ok, c'est en 1.19 pour 1.18. Ok. Un poisson. Yo, Coach Golden, ça va? C'est quoi ta seed? C'est ça le seed si jamais tu veux pouvoir l'utiliser. Il marche en Bedrock aussi. C'est un monde default. Ouais, ça va, Coach Golden, ça va toi? Toujours du poisson. Quatre, six, zéro, six, deux, huit, neuf, zéro, un. C'est le seed. Tiens. Coach Golden, si jamais tu te demandes pourquoi je pêche, je veux un name tag pour ce gars-là. Il partira pas de mon village. Mais là, j'ai pas d'enclume. Fait que ça me met un peu dans la merde de toute façon. Peut-être que si je le laisse dans un bateau, il disparaîtra pas. Il est du fort. Hop là. Oh shit!
Je viens de remarquer de quoi sur Internet. À ce qui se paraît, de le mettre dans un bateau ou bien de lui donner un name tag, ça ne changera rien. Il va disparaître. Oh là là. C'est beau d'abord, je vais arrêter de le t'empêcher. Oups, je voulais pas le taper. Tiens. Nourris-toi. Ouais, je peux l'écrire dans le chat. Quatre, six, zéro. Hey, ça, graphiste, c'est quoi c'est écrire? 4, 6, 0, 6, 2, 8, 9, 0. Ouais. Tiens. Voilà pour toi, mon ami. Mon âne, tiens. Good, good, good. Ma pousse d'arbre que je vais aller mettre dans mon coffre de l'apocalypse. Ouais, oh, mais ça fait plaisir, là aussi. Y'a pas de problème. Oh, oh, un émeraude 32 viande à zombie. Puis on a un spawner à zombie. Ça, c'est nice. Alors, j'en ai combien de viande à zombies, justement? Je m'haïs tellement des fois, c'est insane. Oh, je suppose qu'on va éliminer pour trouver de l'or. Il y a quelqu'un entre vous qui sait si manger un melon d'eau en or, ça peut redonner de la vie en hardcore? Puisque j'attendrais bien que mes melons d'eau poussent, mais en fait, ça va me coûter beaucoup moins cher qu'une pomme en or. Si les melons d'eau d'or, ils se font avec les pépites. Juste une pomme. Ok. Écris dans le chat tes coordonnées. Ah, mais mes coordonnées, dans le fond, c'est le spawn. L'endroit où je suis, c'est le spawn du seed. Hop.
Attends. Je lui ai volé son lit. Check les trails, s'il y en a un qui me donnerait pas de l'or ou des pommes en or, j'essaierais de trade à la place d'aller miner parce que c'est dangereux. Me donner des melons dorés. Mais c'est pas ce que je veux. Non, je pense pas. Ok, c'est bon. Bon. Je vais m'enfoncer, je vais aller chercher pour de l'or. J'ai pas 40 solutions. Puis ça va être ça. Faut le faire déjà, ouais, faut le faire. Je l'ai eu quasiment dès le début, j'étais surpris de moi-même. C'était. Je m'attendais pas à ça, là. Je m'attendais à ce que ce soit super long pour l'avoir, puis au final, même pas. J'étais quand même content.
Je trouve ça bizarre aussi de pogner ça comme ça. Ouf, okay, c'est ça. Oh, il y a du creeper. Mettre des murs, ça va nous bloquer la possibilité d'aller voir dans la grotte, mais au moins on ne perdra pas de vie. Puis on reviendra une autre fois, c'est sûr qu'on revient une autre fois. Bloqué à temps. Ok. Sûrement de l'or par là, quelque part, à m'amener. Je vais essayer de faire attention là.
Bonjour, je suis de retour. Désolé, j'étais AFK. Suis de retour. Ok. J'étais parti régler un problème. Ça, on n'en veut pas au-dessus de nos têtes. Pour l'or, j'ai lu qu'il fallait aller en moins 16. On va descendre jusque-là. Wawa, t'es encore là? Je suis de retour, désolé, il fallait que j'aille régler de quoi. Ouf. Je pense qu'il y a des mûres à protéger. Parce que je me mangerai une explosion assez solide. Sur ma pioche, puis c'est fini. Comme ça. Ça, t'sais. Good. On est prêt pour continuer.
Oh, tombe à cette couche avec ce type de roche. Ça fait des belles briques, ça. Oh yeah, de l'or. Puis du lapis. Qui est tombé. Oh, ok, ça c'est gros. Ça ici. J'ai vu de la lave. Okay, des belles choses en bas là. Je vais remonter chercher ce qu'il y a dans mon four. Ça c'est stressant ce genre de musique là, quand ce son là d'ambiance quand ça vient là. Ça on jette, ça on peut jeter. Ça aussi, ça aussi. Là, je traîne ailleurs. Oh god, je tente pas de l'entraîner avec moi, là. Ça, c'est... Désolé. Puis mon charbon, lui, dans tout ça. J'avais du charbon dans mon four. Tiens. Je devrais être pas pire. Pour être certain. S'en fout. Ok. Oh, shit.
Ok, je me suis bien débrouillé là-dessus. C'était vraiment pas pire. C'était pas pire. Ok. Claire le plus possible, comme ça respawn pas. Oh shit shit shit. Ça vient en masse. J'ai des bagues. Ok. Juste que faut que j'éclaire ici si je veux descendre en bas voir où la lave pour pas que ça respawn en masse ici. Ok. Continue, on continue. Tout est good ici. Ok, il y en a dans une autre crotte par là. Si vous voulez mon avis, je m'en bats les couilles un peu. Il n'y a pas de là dans la droite, il y a une autre grotte. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Continue. Ok. Les cristals, je pense qu'il y a l'autre bord. Ou de la métisse là, c'est un peu bizarre. Gère. Oh yeah, plein d'or. Good. Oh, ok, non, j'ai trouvé c'est quoi qu'il y a. C'est pas du cristal. C'est beau. Ok. On fait attention parce qu'on joue autour de la lave. Bam, c'est mon pseudo. Ok, faut que je me rappelle de ma touche comme il faut pour avoir le réflexe de la prendre. Ok, j'ai des coups de lag, j'ai pas aimé ça du tout. Ce que je vois, c'est assez big. Good, 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 good. Ok.
Je pense que je vais le laisser là. Je vais attendre d'avoir une fortune pour venir le chercher. Je vais peut-être gagner de faire ça. Ah non, malgré pour avoir une fortune, il me faut une table d'enchant. J'ai pas le choix de sacrifier ce diamant là. Ok. C'est pas grave. Qui allait s'en venir. Tiens. Good. Ça, c'est du filon. Let's go. C'est exactement ce que j'ai besoin. Y'a la fucking gravelle au plafond que j'aime pas du tout. Elle va recouvrir une bonne partie, mais je vais aller la péter. Y'a quoi dessus ma tête? Ok, là-bas. Ok. Good. Ah, elle est faite. Le crochet peut disparaître. Ok. Sinon, ça. Oh, ça pose des broches. Pour ma table d'enchantement. Ah, mais il faut de l'obsidienne anyway. Fuck off. Je redécouvre les crafts à chaque fois, on dirait. Ah, mes torches. Ok, il y en a qui enlèvent. Ça part, on peut replacer la torche où ce qu'elle était. Poum, là je vais revenir. Je vais remonter en haut puis je reviendrai parce que faut pas être greedy. Greedy ça mène à perdre du stock, c'est pas ça qu'on veut. Puis nous j'ai plus de torche, puis c'est ça. Ben des raisons. Grotte, elle va nous avoir donné exactement ce qu'on avait besoin pour commencer comme il faut. Tiens. Je remonte en haut en étant content. Tiens, ça. Ici, on a une autre méga caverne. On n'avait pas exploré. Ça, c'est la première. C'est...
Je remonte. J'étais à la limite là-dessus. Limite pas sortir, si tu veux pas crever. Ok, c'est cool. Ici, on va se laisser une table de craft, je pense bien. On est souvent dans cette petite maison là. Ouais, non, moi j'ai peut-être un château. Désolé, je vais me protéger. Je voulais pas te taper, je suis désolé. Bon. Good. On commence à avoir de quoi qu'il y a de l'allure au niveau des arbres. T'es encore là, lui. C'est quoi que je vais mettre la gun pour deux, je considère ça aussi. Good. Ça va aller là, ça je n'ai pas besoin, ça non plus. Good, là j'ai trois flèches, ça on peut les garder au cas où. Ah oui, salut. Dark Oak Sapling, peut-être utile. Ok, ça. Ok, il a pas disparu. J'étais sûr qu'il avait disparu. On va aller échanger au cléric. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est 32, pas fin. Je suis tellement imbécile. Bien, je vais m'en faire deux. Putain, je vais mettre des points de aussi, des points de minéraux, mais ça va être important. Good. Là, je vais faire ce que je fais toujours, ça. Là, j'aurais pas le choix. Putain, ça. Bam, bam. Bouclier de rechange. L'épée, on l'a déjà par contre. Ça, tac, tiens, ça, je mets tout le temps une épée, une pioche, puis un bouclier de rechange. Là, vu qu'on a déjà l'épée, fuck le bouclier, fuck l'épée. Ça, ils seront pas tirés. Je sais pas si ça passe au travers. Je pense pas. Je sais qu'il reste un trou là. Ça. Good. Ah merde, je n'avais jamais. C'est pas à bonne place. Bon, j'en aurais deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça. Boum. Puis là, j'en prendrai deux. J'ai un peu plus d'allure.
Good. C'est cool d'avoir des vaches par contre. Bruh, mes moutons. Ok, ils sont là. Oh là là, je le trouvais pas drôle. Attends, moitié, moitié. Tac, 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 ça, ça. On va le garder avec nous. Bon. Je veux pas utiliser une autre pomme dorée, mais je vais l'amener quand même au cas où. Je préfère l'utiliser que de crever. J'ai deux diamants pour me faire une table d'enchantement. Et il m'en manque trois pour me faire une pioche puis pouvoir récolter de l'obsidienne. Il va enlever toutes les torches que j'ai mis dans la grotte que je viens d'explorer en plus. La merde que ça fait. Sa pioche, puis l'autre une pioche d'argent.
Hein? Si on peut noter de quoi de ça. Parce qu'il faut mettre les torches le plus haut possible quand on descend en escalier comme ça. Ce qui n'est pas toujours un réflexe, mais il faut. Ça devrait créer un peu d'obsidienne aussi. Et là là. Et ouais. Ça a fait des dégâts, cette petite source d'eau là. Je suis sûr d'avoir entendu une autre. Je la trouvais pas drôle. Bon. Ici, on voit qu'il y a de l'eau. Là aussi. Ok, ouais, c'est une de ces cavernes-là. Submergée. Cool. Cool, cool, cool. Ici ça descend ou ben non, ça vaut même pas la peine de mettre une torche. Tiens. Mais ici oui. Good. J'ai moi qui est tombé, fait que je vais boucher ça. Lac derrière ça, en tout cas, de la lave. Tiens. J'avais jamais joué avec le bouclier avant de commencer à jouer en hardcore. C'est... Ça sauve des vies. Sérieux là, c'est vraiment une bonne chose à commencer à utiliser le bouclier. Mais ça, joueur hardcore là, c'est tout des petites habitudes faut commencer à apprendre. C'est vraiment pas miner autour de toi, genre, tu sais, si tu meurs, tu meurs, c'est fini là. Ni au-dessus de sa tête, regarder où ce que t'es, pas trop miner de côté non plus, d'un coup qu'il y a un trou, un squelette, puis tout le temps essayer de regarder le plus possible autour. Là. Allumer de la torche partout comme ça pour pas que ça spawn. Tu sais, en mode pas hardcore, j'aurais probablement pas tout allumé ça là. Parce que la luminosité, je m'en fous là. Moi, c'est pas ça qui me dérange. C'est le fait qu'il y a des mobs qui vont spawn qui me dérange là-dedans. Une autre chauve-souris qui s'est foutue dans la lave. C'est vraiment pas bonne. Oh, je vais manger le karma, j'ai dit ça là, puis je sens que je vais manger le karma, puis je vais tomber dans la lave aussi. Faut que je fasse attention. Ok. On a
du fer au plafond. Ok, ça continue par là. C'est good. On va réunir ça. Là, je suis à la couche moins 34. Ok, j'approche la couche du diamant. Là. Ben, tu sais, je peux en trouver ici, là, du diamant. C'est good. Ok. Shit, le fer. Calculer combien est-ce qu'il y en a là-dedans, mais non, si, monac. C'était dangereux. Ok, ça. Ok, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50. Tiens, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 9, 70, 71, 72, 73, 74. Oh shit. J'ai vu ton message dans le chat, ce sera pas long. 14, 75, 76,
77. 78. 79. 80. Blocs de fer dans le même mouton. Oh là là. 84. Je pense que j'avais pas fini, il m'en restait ici. Ouais, il m'en restait ici. What the fuck is this, man? 93. J'ai jamais vu ça. Ça, c'était pas tout un filon collé, là. Mais tout dans le même coin. 94? 94! 94. Yo, Plo Alexis. Ouais, ça va, toi? Ça va super bien, moi. Je suis là, je chill sur mon serveur Minecraft. Je ramasse mes affaires. Aucune raison de mal aller. Plus un bloc de raw iron. Elle, faut pas qu'elle m'approche, mais pas pantoute. Oh là là. Non. J'ai vu de l'or, je le sais. Oh ah! J'avais eu plus de fucking flèches. Oh là là. Ok, là ça va putain. Là, si tu veux mon. Si tu veux que je sois sincère. Là. Oh là là, j'ai passé proche. C'était insane. Ok, les sorcières. Je m'en rappelle. Je pensais pas que ça allait être autant dur. Normalement, je les rush pis c'est tout. Mais là, oh. Ok. Ça va être quoi plus haut là par contre. Ça, j'y ai jamais été. Et là là. Ok, une chance qu'elle avait pas d'une potion de dégâts instantanée. J'étais fait. Je suppose que mon or va passer là-dedans.
Genre, j'en ai amené deux, mais ça m'aurait. Ouf. Merci pour le follow, Plo Alexis. J'ai cassé pour une pomme de plus. Oh là là. J'ai pas le bloc de redstone. Non. J'en ai plus de pommes dorées, ça me fait quand même chier. Il va falloir des potions plus vite là, parce que ça coûte cher d'or. Tourner là, à un moment donné. Encore quand même l'eau. Oh là là. Ok. Pour le coffre de l'apocalypse, ça. Ok. Logique. Je n'ai plus pour de vrai des flèches là. Sur Fletcher. J'en ai plein qui font rien. Ok. Deux silex puis du bois.
Qui nous a laissé ces deux lamas avant de disparaître. Là, j'en ai vraiment à savoir des flèches pour retourner, hein, parce que j'ai quand même peur de crever là-dedans pour de vrai. Il me restait de l'or à ramasser. C'est comme contradictoire, il me faut de l'or pour y aller. Pour avoir plus de vie, mais pour avoir plus de vie, il faut des flèches. Mais là, ouais, bon, puis pas de poulet. Je sais pas trop quoi faire là. J'en dis-tu mis là-bas les flèches? Non, juste des os. On n'a pas réussi à se faire un fletcher. Ok. Yes! 32 bâtons pour un émeraude, puis un émeraude pour 16 flèches. Comme si c'était fait. Petite table de craft. Oh là là, j'en avais déjà de trop. Ça. Salut. Nice. J'en ai en recherché du bois. Good. Je sais pas si il m'arnaque ou pas là. Mais moi c'est un prix qui me convient. Si on le réussit à monter d'un niveau, on va pouvoir le garder dans nos affaires. À monter. Deux émeraudes pour un arc. 28, 26 et ça pour ça. Good. Pas tant bon, je préférais ton premier trade, mais c'est good, on a débloqué avec. Vas-y, sale con, brûle. Tabarnak, c'était une perte de vie inutile, ça, maudit sacrement! Que j'étais imbécile, sérieux! Je descends, je cherche l'or que j'ai vu, puis je reviens, c'est fini après. Oh là là, pur imbécile! J'suis tellement en cave, là. Oh! Je sais pas pourquoi je me suis arrêté, c'était cave. Ok, faut faire attention, là, j'ai plus d'île. Ce serait cool que la sorcière ait dispawn. Il y avait de l'or par ici. Ouais, je sais pas comment j'ai fait pour le rater au début là. Oh
Ok, good. Good. Oh. Sorcière. Va me passer mes deux dernières pommes, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ou bien j'en mange rien qu'une, puis l'autre je vais la manger si jamais je suis dans le trou, puis je dois me faire parce que ça me donne de l'absorption.
puis j'ai plus de les dégâts. Ouais, je pourrais faire ça. Ça me remonte ma vie, c'est ça de l'allure. Non, on n'a plus d'or. Je pense qu'on va descendre autant que ça, ma vie. Regardez comme ça, mon fou. Nous, on va dormir. Ça va être ça pour asseoir. Hein? Good. Sur ce, moi, ça va être fini pour asseoir. J'ai retrouvé mon copain. Puis, c'est ça. Je vais y aller, puis on va se repogner une fois très probablement demain. Là, je vais rejouer, puis je vais clencher le jeu. Si jamais je rejoue à soir, je risque pas de faire de live. Là, parce que comme j'ai dit, si je fais des lives, c'est quand je m'enligne dans des grosses sessions de gaming. Là, comme là, ça fait 3 heures, mais tu sais, des petits 20-30 minutes, je starterai pas un live pour ça. Fait que moi, je vous dis, yo tout le monde, dans une prochaine vidéo.